Bonjour et bienvenue, un peu plus de Grounded. J'allais dire Wartell pour je sais pas quelle raison. Mais c'est pas Wartell. Il nous faut de la corde, il nous faut de la sève, il nous faut plein de trucs encore. J'adore ce jeu, il y a plein de trucs à faire. Donc on a deux cordes, on a... Ok, on va faire ça. Très bien. Alors, on a pas mal de petites choses encore à faire. Ça, on n'en a plus besoin. On a fait les tiges, je crois. La dernière fois, on essaye de faire des récolteurs de sève, des collecteurs de sève. Nice and clean. Et ça se passe plutôt bien. On a ça à cuire. Ça, on s'en fout, la ligne temporelle le détruire. Accepté. Oui. On a nos flèches, on a du soin, on a ça aussi en soin, très bien. On a tout ça en nourriture, on va devoir bientôt dormir. Je crois qu'on a fini avec nos tiges, si je dis pas de bêtises. Pour les collecteurs de sève, on a notre collecteur de rosée. Oula, c'est quoi ça? Ok. On va changer nos missions, ça aussi j'avais oublié la dernière fois. On doit changer nos missions. Remplacer, asticot, très bien, remplir les quêtes, temps de recharge, ok, nickel. J'ai appuyé sur le bon bouton, oui, asticot maintenant. Donner 5 coups de point faible, sur le point faible d'un ennemi, ok. Améliore l'arme ou l'armure, ici une bannière, asticot, ça c'est facile. Alors, là on a 5000, détecteur de ressources. Ah, c'est embêtant, je sais pas quoi prendre. Je crois que récupérer des trucs comme ça, ça débloque autre chose. Ah, j'ai bien envie de prendre ça. On verra. Ouais, on va prendre la torche améliorée. On va peut-être faire des torches améliorées pour aller au premier laboratoire là. Enfin, le laboratoire suivant plutôt. One long schnoz built for sniffing. Alors, ça très bien. Ah mince, j'ai pas pris les tiges. Donc ouais, dans cet épisode on va essayer de faire donc ce qui nous manque. Il nous manque quand même pas mal de petits trucs. Qu'on soit prêt en fait pour sève, récolte de roses assez fait, faire de la corde en plus. Et tout ça. Comme ça on a un petit camp en fait qui tourne. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit camp qui tourne bien. C'est par là, je crois. Et après, on pourra se débrouiller et on partira à la guerre. Voilà. Je vais voir si on va pas changer d'armure aussi. Ouais, on est bon. Décharger. Ouais, très bien. Ok, il n'y en a pas pour le moment. Il nous faut des cordes encore. Il faut plein de cordes, ça c'est vraiment embêtant. Je pensais pas qu'il en fallait autant, honnêtement. Ok, très bien. Est-ce qu'on en a d'autres? Après, techniquement, on pourrait y aller maintenant. Ou... Enfin, la prochaine nuit, enfin, la prochaine journée plutôt, au laboratoire, et je pense qu'on peut se débrouiller avec ce qu'on a. Je vais être franc, on est assez équipé. Donc je pense qu'on peut se débrouiller. Sève, ouais, deux sèves, j'ai pas de sève, oh, j'ai pas de sève. Ah, c'est chiant. Là, il y en a. Nickel. On fait que courir à droite, à gauche. On s'arrête jamais dans le jeu. Ok, nickel. Voilà. Du coup, ça, c'est 5 par 5. C'est très bien. Voilà. Ça. Ouais, il nous faut des bouts de bombardier aussi. Ça peut attendre. Nickel, on a ça. Alors, on fait voir si on peut réparer ça avant de partir.
Ok. Et les jambières. Parfait. Notre masse, on va la réparer. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dormir ou pas? Yes, on peut dormir. Je pense que ça risque de pourrir ce qu'on a dans l'inventaire. On va voir, on va voir. Mais je crois qu'on peut partir maintenant, franchement. Je suis en train de réfléchir. Ah, je veux bien récupérer les cordes. Et on finit les sèves, en fait. Ok, très bien. Encore trois trucs. Nickel. Ça, je sais pas si ça va pas attirer des bestioles, en fait. C'est pour ça que je préfère ne pas les garder sur moi. Enfin, ne pas les mettre dans les coffres, c'est ça que je... Don't even need to boil it. On a toujours le... Ok, très bien. Parfait. Donc, fais voir un peu. Donc, ça. Ça. Nickel. C'est bon ? C'est bon. Je mets un peu de l'or, 2 secondes, et après on se casse. Voilà. On pourrait mettre celui-là en premier. J'en sais rien, en fait. Enfin, honnêtement, celui-là, c'est chiant à l'attraper. Le reste, on est bon. Honnêtement, on est bon. Peut-être une deuxième torche, au cas où. Je sais pas vraiment si on a besoin de torche, je me rappelle plus. Torche plus, il nous faudrait de la sève, des touches. Non, on va pas faire ça, on va faire une torche normale. C'est où la torche normale? On n'a plus la torche normale? On peut plus en faire? Sève, ok. Hey, Fid. Parfait. On va finir les récolteurs de sève. Les collecteurs de sève. Je sais pas à chaque fois je dis récolteurs. Ouais, c'est ça. Les collecteurs de sève. Et après, honnêtement, on peut aller où on veut. On peut vraiment aller où on veut. Salt. Voilà. Nickel. Enfin, après, techniquement, je peux faire de la corde moi-même aussi. Hein, maintenant que. C'est vrai que j'ai pas pensé. Ah, du pollen. C'est vrai que j'attends les trucs qui tournent parce que. Oui, bah, ça utilise qu'un morceau de. Qu'un morceau au lieu de deux. Mais c'est vrai que. Oui, je vois pas pourquoi je me prends la tête à attendre. Parce que là, il en reste pas beaucoup. Autant faire de la corde directement. C'est vrai que sur le coup, j'avais plus pensé que je pouvais faire de la corde avec mes mains, par exemple. Alors, corde, c'est où corde? Comment ça... C'est ici corde ou c'est autre part? Non, pas plus, c'est là. Ok, il n'en reste plus qu'une. Hop. Hop. Nickel. Voilà. Et on peut partir. Je pense que ça suffit, notre équipement. Je pense qu'on peut se débrouiller. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'une meilleure armure. Je crois que ça va. Water filtration tablets needed. Ouais, je crois que ça va. Ouais, ça ira. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait si jamais on part à la farm d'une armure.
Les fourmis, mais du coup, c'est pas vraiment intéressant. Ça, on peut le faire aussi. Une armure lourde, mais bon. La meilleure, ça serait la coccinelle. Mais il faut des cuirs de baie, des pétales de fleurs, j'en ai pas. Ouais, la coccinelle, ça va être chaud. On peut faire l'angle. Ah non, il me faut des algues et tout ça. Ouais, ça, on verra plus tard. Non, mais on va y aller comme ça. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque, hein? Qu'est-ce qu'on risque? Du pollen. On va le garder là-dedans. On a de l'herbe sèche pour une super torche. Il faut des cordes et une touffe d'herbe. Putain, chier, touffe d'herbe. Ah, là. Ok, très bien. C'est compliqué, plein de choses à faire tout le temps. Incroyable ce jeu. Il est super fun aussi à plusieurs, évidemment. Nickel. Voilà, torche plus, nickel. Parfait. Et on va déposer ça. Et je crois qu'on peut partir. On va partir avec ça, du coup. Ça va être notre équipement. Et on a tout ça de libre. Donc on a de l'eau et tout. On est bon. Yes, c'est parti. À l'aventure. Je vais juste boire du jus. Et après, on y va. Ah, je suis content. Voilà, parfait. Donc, mission. Donc, normalement, c'est par là-bas, hein, c'est ça. Ouais. Point de passage. The nose, nose. Voilà. Et là, on va en... Là, c'est bien parce qu'on est en matinée. Donc, on aura le temps de se balader. Parce que, honnêtement, c'est comme j'avais dit... Oula, merde. Ça, c'est le coin des araignées, ça. C'est très... Quand c'est sombre, c'est très sombre. Faut être honnête. Quand c'est sombre, c'est très sombre. Et on n'a pas vraiment trop de moyens de faire de la lumière à part des torches. Et du coup, ça voudrait dire qu'on peut pas... On peut pas avoir de bouclier et tout ça. Donc c'est la galère. Alors, on n'est pas là pour les asticots. On y va, on avance. C'est quoi ça? C'est le sel. Waouh, il y a plein de... Même ça, je crois qu'ils reviennent beaucoup plus rapidement qu'avant, eux, en tout cas. Ça, c'est bien, ça. Ils étaient tellement relous à farmer. Oula, doucement. Doucement, doucement, doucement. C'est pas vraiment l'endroit où on veut aller. Et c'est la wolf. Ok, là il y a des larves, faire gaffe aussi. Ouf. Après peut-être que tous les insectes, enfin tout dans le jardin en fait peut-être réapparaît plus vite maintenant, je sais pas. Honnêtement ce serait pas vraiment gênant. Là, il n'y en avait qu'un. Je crois qu'on en avait laissé qu'un seul. Bon, il n'a pas réapparu. Oh, des flèches. C'est quoi ça là-bas que j'ai vu? Ah, une abeille. Il y a des machines. On va s'équiper. Nickel. C'est quoi notre bonus déjà? Attends, déjà ça supprime. Donc nous, on a réduit le temps nécessaire pour que votre endurance se régénère. troisième combo. Ouais, on est bien équipé. Oh putain, on a fait peur, ça a pris. Après, je vais être honnête, je crois pas qu'il y ait de boss. Parce que hello, oui, dans Miss le jeu. B.
dans le jeu, il y a des... Will you lead me to honey or to an early grave? Dans ce jeu, il y a des boss. Hein. Mais je crois pas qu'il y en ait dans le premier. Ok, let's go. On va récupérer ça. Ah, j'ai envie de sauter, voir comment ça fonctionne. Attendez, je vais peut-être sauter, mais je ne voudrais pas me suicider non plus. Comment? Mais left shift, je suis pas débile quand même. Comment ça marche de merde? Attendez. Je suis pas débile quand même. Ou alors peut-être que la touche marche pas parce que QWERTY, AZERTY... Planer. Ouais, bah. Ouais. Faut quoi? Faut maintenir? Non. J'ai pas. Alors, il faut être maintenant. Ah, là, ça marche. Mais pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Parce qu'avant, en fait, je me rappelle qu'il y en avait qu'une seule. Et vous. Là, ça a pas marché, par contre. Hein. Vous deviez l'équiper. Et elle avait une durabilité en fait. Et plus vous l'utilisez, du coup, après elle se casse au bout d'un moment. Et à chaque fois, il fallait du coup en récupérer d'autres parce que la durabilité descendait. Mais là, du coup, c'est pas pareil. Là, ça marche. Mais c'est bizarre, pourquoi ça marche pas tout à l'heure? C'est parce que je presse genre avant peut-être en même temps? Attendez. Ah oui, c'est peut-être parce que je presse avant en fait en même temps. Faut pas presser de touche en fait, je crois. Pas d'autres touches, juste shift. Ouais, juste shift, ok, ça marche. Ah, il y a quand même une durabilité, je crois. Enfin non mais c'est bien ce qu'ils ont changé. Honnêtement, c'est bien parce que maintenant on peut en avoir une dizaine sur nous. Ça va, c'est mieux. Parce qu'avant c'était chiant, on pouvait en avoir qu'une seule équipée. Et du coup il fallait en garder plusieurs sur soi. C'était pas stackable, je crois. Donc c'était vraiment relou. Yum. Donc là j'avoue que c'est un bon changement. Je suis sûr qu'il n'y avait pas ces lampes avant. Bon, faire attention. Pas tomber. Faut être assez rapide aussi, parce que comme j'ai dit, hein, enfin rapide, faites comme vous pouvez, hein, mais les laboratoires sont quand même vachement grands. Il y a plein de secrets aussi à les récupérer, genre là-bas on a sûrement des secrets et tout. Mais on va se concentrer sur récupérer ce qui nous manque, ce qu'il nous faut en fait. Sens de l'orientation, hein. Je crois que ça c'est le déplacement. Tu peux voir la mutation. Célérité, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va être l'heure. Bon, tu vas pas rire longtemps, mec. Hein. Alors là-bas, on a ça. Oh la vache, ça, je crois que c'est un raccourci. Ou pas. C'est pas là qu'on doit aller ici. Je crois pas que ça soit là. Mais on va voir. They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you, Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you! I will never forget this moment! Alors là, on a eu un plat.
Bien nourri et repas endurance de combat. On peut le... On va le manger, voir combien de temps ça dure. 12 minutes, ouais, ça va. Faut qu'on boive. Nice and clean. Très bien. Ok, cool. Ça, ça, ça. Voilà. Hop, nickel. Ça va, ça avance, ça avance. Voilà, maintenant on a activé tout ça, c'est bien. Scabby, surveyor connection established. Use survey stations to scan for analyzed materials. Visit additional stations to expand the survey network. Parfait, perfecto. Quête. C'est quoi ça, quête ici? Ça c'est nouveau ça. Poste de recherche, pencho. Palette de couleurs. Bon ben, ça va, c'est cool. C'est cool, on avance. C'est pas ça qu'on devait faire, hein. Ça c'est du... C'est juste sur le chemin. Je sais pas si je devrais me soigner ou pas. Ça a pas remis de la vie quand j'ai pris le repas là. Je suis pas full en vie, ça me fait un peu peur. Alors faut faire gaffe, il y a des nids, on peut les crever, ça fait pop des petites araignées, et on peut récupérer des toiles avec. Putain, par où on passe. Ok. On va pas toucher les... Les nids ou les cocons, on va pas toucher les toiles. Comme j'ai dit, parce que je sais plus s'ils ont. Je sais pas s'ils ont changé ça en fait. Le système ou comme j'avais dit. Ah putain, est-ce qu'on peut aller là? Ou si on tape trop de toiles d'araignées, est-ce que ça énerve les araignées puis après elles viennent nous raider, nous défoncer notre base. Donc je vais pas le faire pour le moment. Par contre, il y a des araignées dedans. Est-ce qu'on va en combattre des araignées? Viens ici, viens ici. Putain, on fait quasiment rien avec notre lance, hein, par contre. C'est un peu abusé. Ça en prend, ça en prend. Ah, il y a des lits maintenant. Ça aussi, hein. Lit de la... Je suis sûr que... Je suis sûr que ça n'existait pas, ça aussi. C'était hardcore, en fait, quand j'y jouais, hein. C'était méga hardcore. Ouais, il y a plein de nourriture aussi. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas avant, pas autant. I have felt taunted by the spiders of the yard. Climbing, crawling, skittering with the greatest of ease. Oh, and how they delight in violating my workspace. I can't take a single step without getting stuck in their confounded webbing. I'm wasting daylight, running, climbing, surviving. Traversing this broken lab, the entire yard for that matter, has become untenable. But perhaps my spider friends hold the key to my problems. Après, on a toujours notre notre arme à deux mains. Hein. Pour l'instant, j'essaye de faire lance-lance parce que voilà, mais voilà, si on est plus tard, on peut faire ça. Where there's spiderling, there's spiderlings. Ah la vache, la saloperie quoi.
c'est pour augmenter mes mutations en fait. Putain de toi. Elles font mal ces connes. Mon dieu, saloperie quoi. T'es sérieux? Oh mon dieu. Ouf. When you're off to the beach or a day at the park, doesn't matter the time. Qu'est-ce qui lui arrive? You can leave your toys home. Except for just one. Cause you can't leave your fling man. Without leaving fun! Never leave your fling man. Waouh! On peut changer de personnage? C'est quoi ce gosse? Bon, par contre, pour l'eau, on va avoir un problème. J'ai un peu peur qu'on ait un problème pour l'eau. Sont toutes venues ces saloperies. Alors là, ça c'est pour plus tard, ce sera un boss là-bas. Mais c'est genre au niveau, hein, c'est pas pour maintenant. Je vais tomber. J'avoue que j'ai un peu peur pour l'eau. On aurait dû avoir peut-être plusieurs gourdes. Très bien. Today, Trudy asked, or rather insisted, I take a break from my work for a family day. I'll admit, the argument that preceded my reluctant agreement was one for the ages. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Stormin' Beach's hydratation has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zip line over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. Où est-ce qu'on va? But I digress. It was the zip line that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. After another argument, of course. Si vous écoutez, vous avez vu que les enregistrements là, on voit que c'est un mec qui commence à avoir des problèmes et tout ça, avec sa famille et tout. Ça devient assez triste. Tombe pas, très bien. Ça y est, ça c'est le... Ouais, c'est ici je crois bien. Alors je crois qu'il y a... Oui, il y a des araignées dessus. Voilà, on est sur le laboratoire. Parfait, merci, il y a de l'eau. Alors est-ce qu'on peut s'en servir pour remplir? Yes! Trop bien. Ok, nickel. Ouais, honnêtement, parfait d'avoir mis ça. Vraiment cool. Si vous imaginez, en fait, le... Attendez. Voilà, très bien. Le danger que ça peut être de faire des attaques, enfin des attaques, des raids, j'ai envie d'appeler ça, mais d'aller dans les labos et tout, le temps que ça prend, la nourriture qu'il faut, l'hydratation qu'il faut, etc, etc. Ah, c'était hardcore avant en fait, hein. Au final, c'est super hardcore. Alors, très bien. Early test runs on the zipline system have produced mixed results. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea, spider thread.
I'm using web sandals for my unwanted guests, with a few clever alterations, of course. Things were going well until Sarah threw yet another toy into the hedge. I swear that the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. I told them both. No baseballs, no flingman discs, no more throwing. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. Poison saving throw failed. Merde, on m'a mis du poison. Oh la vache. De la parade 3-3, cool. Pas d'avantage extrême par ça. C'est vrai que j'avais un peu oublié le côté poison. Je crois que ça aussi, ça y est, on n'avait pas toutes ces pierres là. Ça, c'est des pierres pour les crafts en fait. Slowly, my torments come together into one ingenious solution. After trying countless materials, I finally found something to fix my zipline problem. While the bonding formulas were complex to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. I've dubbed my new creation Zippy Fiber. 5-8. Just think of the practical applications. Dental floss. Oh, only something without gums would suggest that. This is not some trifle to pick parsley between trips to the periodontist. I will take your word for it, Dr. Tully. Je crois qu'il va falloir que je fasse tomber ça. Il y a plusieurs endroits en fait ici. Le poison, ça passe. C'est pas trop trop grave. Ouais, le poison, ça passe. Pas trop trop grave. Après, il y a toxique, il y a plus en fait. Ok, ça s'est bien nourri. C'est bon, de toute façon, on a de la nourriture. Ok, je régène, ça va. J'essaye de pas détruire toute l'étoile encore une fois. Mais ouais, si vous voulez vraiment de la toile, il y en a partout là. Waouh, j'ai rien bloqué, c'est cool. Strictement rien bloqué. Aussi pour casser, je crois que j'avais pas mal de problèmes pour. Not bad. Quand le jeu était sorti. En fait. Parce que tout casser vachement plus vite.
Ça, je crois que s'il faut du 2, ça. Oh merde. Oh, il faut du 2. Qui c'est qui m'a vu? Ah, toi. Ok. Il y a une araignée au-dessus, j'ai vu. Tu peux me lâcher, toi? J'ai pas trop envie que tu me tapes, que genre je tombe ou quelque chose de d'horrible m'arrive. Voilà. Ok, let's go. Ok, alors je crois qu'on a tout. On va faire attention à ça, parce qu'on n'a pas envie d'aller en bas. Milk Molar qui est cassé, déjà. Bizarre. Ça aussi, je pense qu'elle est nouvelle. Je sais pas. Par contre, est-ce qu'on peut revenir ou pas? Ouais, non, on peut pas revenir. Je crois que je vais devoir descendre. Faut regarder si on a tous les morceaux du code, là. Parce qu'il faut un code. Ouais, je crois qu'on a tous les morceaux du code. Oh, je suis pas sûr. UR-T19, 50... Je sais pas, en fait. On verra. Je crois que c'est là qu'on veut aller. Ici. Et merde, putain, j'ai pas réussi encore à... Je crois que c'est parce que j'avançais encore une fois. J'ai pas déclenché le parachute. C'est très embêtant ce système. Genre le jeu aime pas quoi. Le jeu aime pas quand on touche plusieurs touches à la fois. Plein de flèches à récupérer, mais c'est pas grave. Ok, là on vient d'ici, très bien. Donc là c'est la zipline, nous on va monter. Il y a des robots. Heureusement qu'on a cette arme, hein, honnêtement. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. Tellement utile. C'est quoi ça? Figurine? Qu'est-ce que c'est que ça? Nouvelle idée, statue. Mais c'est nouveau ça? Ah, maintenant on peut les faire! Ok. Intéressant. Ça c'est nouveau ça, je crois pas que ça existait les figurines comme ça. On dirait une figurine en argile en fait. Hop, prends ça. Ça vous donne un peu des... Pardon. Ça vous donne un peu des idées sur ce qu'on peut crafter en fait. C'est pour ça que c'est pas mal les laboratoires. Parce que ça vous indique, si vous savez pas du tout quoi faire en fait, ça vous indique ce que vous pouvez faire, plus ou moins. Je vais voir là. This is moderately terrifying! Ok. On a deux moucherons à manger. On a des repas. Mais ça soigne pas. Ah, ça donne épine. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est sûrement les robots qui ont tué les araignées. Faudrait qu'on aille récupérer de l'eau. C'est bien. Ouais, faudrait qu'on aille récupérer de l'eau. Je crois que c'est là-haut. There's a spiderling running around here. Non, c'est pas là.
Par contre, ici, il y a pas mal de choses intéressantes. Là, on va faire ça, ça. Près de marbre, ouais, ça on veut. Oui, corde de soie, très bien. On peut prendre ça aussi. Alors ça, c'est des planches, nous on s'en fout. Planches, tiges, on s'en fout. Ah, oui, pourquoi pas le trèfle. Nickel. Par contre, ouais, on est un peu plein, là. on est un peu plein. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Va falloir qu'on vire des choses, c'est au pire. Les baies, à la limite, on n'a pas vraiment besoin. Oh putain, ça a pas marché, bordel. Je me suis loupé, en plus. Faut se laisser tomber, en fait. Mais je me suis mal laissé tomber. Tiens, on peut aller récupérer les flèches. Oh, merde. Faut faire attention, parce que si on a... Genre... deux choses dans les mains. Genre une lance et un bouclier, par exemple. Et qu'on est plein, on va pas pouvoir ranger, par exemple, le bouclier et la lance pour prendre une arme à deux mains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faut faire attention à ça. Je crois qu'il y a des endroits qui sont cassés, où il faut rentrer dedans, en fait, par les cassures. Mais oh, c'est le bordel. C'est méga grand. Ah! Batterie. Ah ah! On peut le prendre ou pas? Non. Ok. Faudrait aller à ce câble-là, je crois. Ou alors on peut descendre. Je crois que je peux sauter et attraper la tyrolienne, honnêtement, mais bon. Je suis pas très confiant dans mes réflexes, vu que j'ai plus trop l'habitude. Toujours pas d'eau. Yes, ok, très bien. Alors, on aurait dû prendre deux gourdes. Alors, mot de passe invalide. Password, ok. Ah, il nous manque encore du... Merde. Passe invalide. Donc ouais, il nous manque encore des mots de passe. Ah, fait chier. Des bouts de papier. Ok, ça marche. Ce qui est marrant, c'est que les bouts de papier, ils sont super larges, ils sont super gros, c'est taille réelle. Mais pour nous... Mais du coup, en fait, des fois, on les voit pas, tout simplement, parce qu'ils sont super gros, donc on fait pas vraiment attention. Ah, par là, peut-être. Ok, très bien. A little chewy, but not bad. Là, on a une porte qu'on peut pas ouvrir. Il faut trouver un autre endroit. Essaye de retrouver un endroit, l'endroit pour se mettre dessus. Sur la structure, en fait.
Bon, franchement, ça va, on a encore de la nourriture et tout ça. L'eau, ça va, on gère. On peut rester encore un petit moment. Il n'y a pas d'urgence. Non. Putain, c'était là. Je crois que c'était là, c'est l'ouverture, le trou là. Mais je sais pas, pour lâcher les tyroliennes, j'ai l'impression que ça marche pas non plus. Ah mon dieu, ça me rend fou. C'est parce que je touche encore une touche, c'est ça? Ça me rend fou ce système. Alors, par où... Comment je fais les choses, moi? Désolé, là on tourne un peu, mais on va y arriver. Hein. Oh! Je peux la casser celle-là? Non, c'est niveau 2. Non! Pourquoi ça veut pas, quoi? Ça me rend fou. Ça, je sais pas, ça veut pas. On va sauter. Parce que là, ça veut jamais. Ça veut jamais lâcher dans les temps, en fait. Donc on va sauter. Ah, le gameplay qui me combat là. Là, il faudra y retourner plus tard quand on aura le marteau et tout ça. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh putain. Super. Aïe aïe aïe. Sauter en avance. Je vais y arriver. Si vous pensez que je fais un truc pas bon par rapport au gameplay, j'appuie sur la mauvaise touche, je sais pas trop, dites-le moi parce que là c'est un peu... Oh mon dieu, c'est un peu relou. Ok, nickel. Ah oui, ça c'est pour détecter, on peut détecter des choses où on veut en fait, c'est vraiment cool. No water filtration tablets needed. Bon, je crois qu'on a tout le... On a tous les codes. Ok, très bien. Ah, ça va me rendre fou. Ça remet quoi, ça? Anka et soigne. Ça soigne aussi. On pourrait le mettre en raccourci. Après, on a des smoothies, donc... Ok, très bien, on est au retour là. Je peux passer par là pour le mot de passe là. Non. On est bon. Là. Donc c'est autorisé. Let's go. Tada. Super chip. I wonder how we'll get Burgle's memories off of this. I wonder if I have to blow on it. Un deuxième. Et une upgrade. C'est quoi ça? Chargement du disque active le logiciel de la machine augmente les limites de traitement en science brute requise pour dupliquer des objets plus complexes. Ah, je crois qu'on peut dupliquer maintenant les objets. Je crois que j'en avais entendu parler dans une des mises à jour. Du coup, ça évite de crafter en fait. Par exemple, si vous avez des équipements qui demandent des ressources d'insectes à chaque fois, rares ou alors difficiles, on peut les dupliquer grâce à de la science. Ça aussi, ça n'existait pas quand je jouais. Du coup, c'était un peu relou des fois. Et du coup, ça aide. Alors, pour moi, je vois pas pourquoi je dupliquerais les choses à part...
je sais pas. Des lances, à la limite, je dirais. Des lances, ouais. Par contre, on est la nuit, c'est un peu la merde. Mais ouais, à part des lances, je vois pas ce que je dupliquerai en fait. Mais si vous êtes en multijoueur, ça peut être vachement bien. Du coup, vous avez pas. Parce que, genre, si vous jouez à 3, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 4. Si vous jouez à 4, que vous combattez, genre par exemple, une araignée wolf là, bah du coup, vous allez avoir une seule fois la récompense en fait de la grosse araignée par exemple. Et elles sont rares. Enfin, faut se balader un peu dans tous les endroits pour en trouver. Donc du coup pouvoir dupliquer, ça aide énormément en fait en coop. Ça c'est vraiment cool qu'ils aient pensé à ça. Bon bah on peut partir, mission accomplie, nickel. Par contre je suis en train de me demander par où je descends. Est-ce que je me jette en plein milieu? Ou comment on fait? Bon c'est la galère, c'est pas trop la galère non plus. Faut pas exagérer, mais c'est quand même relou. On va faire ça pour avoir augmenté la vie maximum. Ok. Oh, putain, pile sur des araignées. That's a spider. That's definitely a spider. C'en est une. My mom always says I light up a room. Burgle transcription unit 89.10.5. Order number 20. Burgle, did you organize my research notes on the material properties of the hedgeberries as I directed? Of course. Well, no. Good. Wait. Explain. C'est un autre donjon, ça? Ah, c'est fourmi, je crois, ici. Ah non. Ah non, c'est pour monter et descendre. Oh, il y a une plume. Mais j'ai... Ah, attends, si, j'ai la hache niveau 2. Attends, je crois que ça marche là. Ouais, ah non, c'est un couteau. T'es sérieux? Non mais je peux le faire avec ça. Oui, je peux le faire avec ça. Ok, nickel. Ouais, faut faire gaffe, il y a des araignées qui traînent un peu à droite à gauche ici. Mais c'est pas vraiment très dangereux. Je me rappelle, j'avais fait des escaliers. Des fondations en argile tout le long là pour monter, parce que en fait il y a plusieurs plateaux on va dire pour le jardin, et là c'était une partie qui était vraiment bien pour pouvoir monter, et j'avais fait ça. That should keep me safe. Safer. Hey Fid. Parfait. Bon bah du coup on peut aller voir le robot. Oh, il y a des lucioles. Ouais, c'est les lucioles, c'est ce qu'il faudrait attaquer. Pour pouvoir faire un casque. Mais honnêtement, j'ai... Non, elle fait juste peur. J'ai pas vraiment l'équipement pour... Don't even need to boil it. On pourrait prendre des épines vu qu'on est là. Spider. Wolf. Alors, celle-là, elle est horrible parce que... Vous voyez, quand elle fait ça, elle a tendance à savoir où on est, à nous sentir en fait. Du coup, c'est pour ça qu'elle vient vers moi. Putain de merde, fait chier. Ah, la nuit, c'est...
C'est pas le fun, hein, la nuit, hein. C'est pas trop le fun, la nuit, hein. C'est dangereux, hein. C'est dangereux. Encore heureux qu'on a les chaussons, là, pour courir vite. On va aller aux chaînes directement, comme ça on va finir notre épisode dans aux chaînes. On va rien tuer parce que j'ai quasiment l'inventaire qui est complètement plein quoi. Ça c'est bien, ça marche. Là il y a plein de moucherons normalement. Ouais. C'est pas mal pour farmer les moucherons si vous voulez. Il faut que j'arrête d'appuyer sur les touches en fait. Ça me rend fou ce système. J'arrive pas à déclencher le truc. Ça va me rendre cinglé. C'est où? Non, c'est pas là. Ok, nickel. Je crois que ce que j'entendais, c'est une wolf aussi. Qui se balade, là, qui marche. Je crois que c'est des wolves. Enfin, des loups, quoi. It is quite late, young Hume pal. Can I help you today? Super puce. You made it back in one piece. How unexpected. You are more resourceful than I thought. Hand it over and we can see what data Dr. Tully backed up upon it. Processing. Processing. This is the Hedge Super Chip. Forgive me, I forgot to mention the nasty spiders before I sent you up there. I hope they were not too much trouble. Ha ha. Ah. I am feeling much more like myself. Take it from me. There's nothing quite like a reverse lobotomy. Thank you. Now, what is it you were wanting to know? Oh yes, the location of the other super chips. There are four labs throughout the yard, each with a super chip. The Hedge Lab, the Pond Lab, the Haze Lab, and the Black Ant Lab. And you have already made it through the hedge, so now on to the others. I will mark the locations of the super chips in those labs. Please find them and return to me so we can figure out how to repair the spacer. Oh, before you leave, check out the new recipes in the ASL Terminal Science Shop. That could be helpful for some of the tougher challenges. Parfait. Ask away, my friend. Which lab would you like to discuss? Bon, on peut en apprendre un peu plus sur les laboratoires. Bah, on va le faire, allez. After the Oak Lab, the Hedge Lab was the next to be constructed. Originally, we used it to observe and survey all of the wildlife and resources of the yard. From a safe vantage point. After our encounters with the arachnids of the hedge, Dr. Tully's curiosity led us to experiment on spider silk. An extremely durable and strong material. The goal of our experiments there was to find other practical uses for it. The pond lab is, as the name suggests, located at the bottom of the Tully's koi pond. You will need to take a swim to reach it. As to the science conducted there, Dr. Tully has long had a fascination with Brussels sprouts. He thought that an underwater lab would be the perfect environment for the cultivation of new superfoods. Ça va être notre, je pense, le prochain laboratoire. Mais peut-être qu'avant, je ferai une base un peu mieux, on verra. Dr. Tully was interested in the medicinal properties of fungus and molds at miniature scale. We were hoping for a breakthrough by engineering a new type of fungus. Unfortunately, the experiment did not work quite the way Dr. Tully was hoping.
Donc ça, c'est avec le gaz, je crois. Parce que ça, c'est les champignons qui explosent et tout ça. Our fungus ended up spreading rapidly and infected the nearby insect life. If you are headed that direction, I would recommend bringing a gas mask. And watch out for the infected. En gros, c'est l'ordre qu'on devrait faire. Et après, le dernier, ce serait les fourmis noires. The Black Ant Lab is located underground near the sandbox. Ça, c'est très loin. This remote location was chosen by Dr. Tully to do experiments with the newly discovered raw science particle, which has the occasional tendency to explode. Alas, a horde of black ants took over the lab and made a huge mess of the place. You can find the entrance in the stinky pile of garbage. Alternatively, if you have the right gear, there is a second entrance in the sandbox. If you see black ants, follow them, and they will lead you back to their anthill. How can I help you today? Please come again soon! Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut lui mettre... It is nice to see a pal. Can I help you today? Thank you. Come again. Ok. Un des trois dernières puces. Parce qu'on avait une autre puce en fait. Ah, c'est ça! Le duplicateur là. Alors, comment ça marche? Erreur, augmentation de la limite de science brute nécessaire, mise à jour du micro disque super nécessaire. Genre, tu fais ça, coût de duplication 1500. Ah, tu peux même faire ça, tu vas frapper. Ah, je pourrais faire des plumes de corbeau. Ah, du coup, même les barres de céréales, parce que les barres de céréales, c'est limité. Vous pouvez pas en crafter, vous pouvez même plus en trouver une fois que vous les avez toutes trouvées. Donc c'est mort. Donc là, on peut même faire les objets pour augmenter les niveaux. Par contre, je peux pas faire ça. Ah oui, non, là, il y a une limite, en fait. Faut augmenter ça. C'est vachement intéressant, ce qu'ils ont fait. C'est vachement intéressant. Limite de traitement 1000. Utiliser la science brute pour dupliquer un objet. Ah ouais, donc on peut utiliser jusqu'à 1000 en fait. Et après, il y a des objets qui sont plus rares, ils demandent beaucoup plus. Et du coup, il faut faire des mises à jour. Par contre, on lui a donné la deuxième puce ou pas? Ouais, ça c'est nouveau ça. Ah tiens, on a ça maintenant. D'accord. Je crois qu'on lui a donné toutes les puces en même temps, les deux puces, puces de la haie. Ouais, je crois qu'on a tout donné. Alors, qu'est-ce qu'il voulait que je voie, ça? Ah oui, ça c'est les améliorations. Donc on a les méga milk molars et les milk molars. Alors les méga milk c'est quoi? Taille max. Ah oui, ça c'est pour l'inventaire surtout. Donc les tailles de consommables, les piles de consommables, donc ça c'est bien de 5 à 10 au lieu de... Ça c'est vraiment cool. Ressources, et après les flèches aussi, je crois que ça va jusqu'à 50. Et après ça c'est pour augmenter le personnage. Ah, c'est pour augmenter le personnage. Pour augmenter un peu la vie. Les mutations max c'est vachement bien honnêtement. Ah, très bien. Ah, et maintenant on a plus de choses. Alors, casse-cou. Petit fragile, déverrouille la mutation pour les jambes souples. Je crois que ça c'est les chutes. Dégâts de chute. Détecteur de ressources. Science brute. On a des tyroliennes maintenant. On peut faire des tyroliennes, on peut faire des échelles. Très très bien. Livre de recettes de haies. Ça c'est de la nourriture, je crois. Ouais, c'est des plats qu'on a déverrouillés en fait. Oh, c'est bien. Ok, on a 8000. Je vais faire les échelles, parce que c'est utile. On va prendre les étages. On va prendre les fondations. Il me reste 2000. Ouais, c'est bon. On va identifier la plume. Est-ce qu'il y a un truc ici pour identifier la plume? Ah oui, là il faut une carte.
Je crois que c'est là-bas. Non. Ça c'est tout ce qu'on a débloqué, hein. C'est le bordel dans l'inventaire. Y a pas un ordinateur ici pour les objets? Ah c'est là. Non pas ça. Ça. Très bien. Ça c'est rare. Voilà, là ça là c'est bien ça. Ouh, balle pointue, ça c'est nouveau ça, je connais pas. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a, puis après on s'arrête, je pense. Oh putain, tout ce qu'il y a, oh la vache. Pouh. Alors, arc insecte, ça c'est bien. On pourra le faire à un moment, je pense. Arbalète corbeau, j'avais beaucoup aimé cette arbalète. Elle est pas très difficile à faire en fait, c'est juste les plumes de corbeau qui sont relous. On a des flèches à plumes qui sont mieux. Flèches à plumes, par contre elles font saigner. Je crois que c'est nouveau ça. Qu'elles fassent saigner, j'ai envie de dire. Enfin bref. Ça c'est quoi ça? Des petites balles pointues ne sont pas sophistiquées, mais elles permettent de faire passer le message. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est quoi? C'est un projectile en fait, j'imagine. Intéressant. Intéressant, intéressant. Après. Ça c'est le chapeau. Dynamitalisation critique, ça c'est pour l'arc, ça augmente le critique avec l'arc. C'est très joli, c'est très, très classe. On a plein de planchers, des toits, des demi-toits et tout ça, des toits en triangle, en ce que vous voulez. Ça c'est les fondations, ça c'est bien. Ça aussi c'est des trucs nouveaux, genre quart de fondation. Les quarts de fondation ça n'existait pas. Demi-fondation en argile, je pense pas que ça existait. On a des fondations incurvées maintenant. Genre c'est arrondi là. Je pense pas que ça existait pour moi. Ça, je crois que ça existait. Bon, peut-être pas les petits à la limite. Il y a tellement de trucs, quoi. Ouais, maintenant, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait un problème que j'avais avec cette... avec ce jeu, en fait, pour la construction. Il y avait beaucoup de choses, en fait, qui s'emboîtaient pas vraiment bien. Ou des fois, en fait, il fallait tout le temps placer les objets ensemble dans le sens où c'était... l'objet A va avec l'objet B, point barre. Vous pouvez pas faire une sorte de mix. Alors que dans Fallout, on pouvait plus ou moins faire un sort de mix, en fait. Des fois, ça passait un peu à travers et tout ça. Donc, des fois, c'est un peu relou de faire exactement ce que vous vouliez. Mais, voilà. Ça, c'est nouveau, ça. Ah, confort. Ok. Ça, c'est avec le système de confort, en fait. Regardez ça. Énormément de confort. D'accord. C'est pas dur à faire. Intéressant. Bon. C'est cool. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on rentre à la base. Enfin, non, je vais peut-être rentrer moi-même à la base et essayer de crafter, de créer une petite base, en fait. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller et où je vais la faire encore, mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on fasse un petit truc protégé et tout ça. J'entends les araignées au-dessus. Mais ouais, il va nous falloir un petit truc protégé parce que sinon, un jour, on va avoir genre plein de choses pour crafter, genre des toiles et tout ça, du câble et tout. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire attaquer et tout va se faire détruire très facilement. Et j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc ouais, on va se faire une petite base. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. On avance dans l'histoire, c'est cool. Ciao, ciao.